Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est pour vous faire une vidéo première impression sur un fond de teint de chez ELF. Hein. Comme vous voyez, je ne suis pas maquillée. Donc, c'est sur le nouveau fond de teint de chez ELF, Moisturizing pardon, Foundation Stick. Voilà, qui se présente comme ça. Voilà. Que moi, j'ai dans la couleur coffee. C'est la couleur la plus foncée qu'il y avait. Et voilà, c'est un nouveau produit. Donc, ils ont sorti il y a quelque temps le stick hydratant non teinté. Voilà, simplement un stick hydratant comme une crème. Et là, ils ont sorti donc celle qui est colorée. Et j'avais très envie de tester. Surtout que c'est parce que c'est un stick. Et je n'ai testé qu'un stick, c'est celui de chez... qu'un fond de teint stick. C'est celui de chez PB Cosmétiques qui m'a pas complètement convaincu. Voilà, j'ai trouvé très très sec quand même à l'application, et donc j'avais très envie de tester un fond de teint stick. Donc dès que j'ai vu celui de chez ELF, je me suis dit pourquoi pas. Il coûte 6,80 €, donc les packaging de chez ELF sont toujours les mêmes, hein. Donc je vais vous le montrer. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est un stick tout simplement. Je le trouve assez gros, pas très grand mais assez gros. Il fait donc 14 grammes et donc eux ils disent soin quotidien hydratant teinté à appliquer sur une peau propre, appliquer sur le fond, les joues, le nez, hein, tapoter la matière de l'intérieur à l'extérieur du visage. Et donc il est enrichi en karité, en vitamine E, en coco, en avocat, en macadamia et en aloe. Voilà. Donc, c'est censé être un stick teinté, hydratant. Voilà. Donc, moi, j'ai la peau mixte à grasse. Et donc, c'est vrai que, bon, je pense pas que ce soit hyper adapté à mon type de peau. Mais c'est vrai qu'en hiver, j'ai plus une peau qui serait... plutôt de normal à mix, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui est plus, en tout cas qui a tendance à être plus sèche que quand en été ou au printemps ou en hiver. J'ai vraiment la peau qui est beaucoup plus sèche avec plus de zones de sécheresse et je brille beaucoup moins, etc. Mais j'ai la peau quand même qui tiraille, qui est beaucoup plus sèche. Donc je me suis dit ça pouvait être pas mal de le tester pour voir si ça pouvait être un bon fond de teint pour cet hiver. Voilà, donc il se présente comme ça, dans, voilà, avec un petit bouchon. Donc la couleur est comme ça. Alors je tourne pour voir la quantité de produit qu'il y a quand même, en espérant qu'il ne soit pas cassé. Il y a quand même pas mal de produits. Pour un stick, il y a quand même pas mal de produits, vraiment beaucoup. Donc, eh bien écoutez, on va commencer. Je vais commencer tout de suite à l'appliquer pour voir comment ça se présente. Alors tout d'abord, je mets ma base que j'utilise en ce moment, c'est la Baby Skin, donc de chez Maybelline, efface pores minute, instantané, efface visiblement les pores et imperfections. Voilà, celle-ci, je pense que vous la connaissez. Alors, c'est une base apparemment... Bah, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Moi, au départ, je ne l'appréciais pas plus que ça. Et puis, plus ça va, et plus... voilà, je l'apprécie. Je ne dis pas que c'est la meilleure base que j'ai testée. Mais, voilà, je trouve que c'est une bonne base. En tout cas, elle ne me donne pas de boutons. Donc, c'est déjà une bonne chose. Alors, je vais regarder un peu vers le bas, puisque j'ai le miroir qui est juste là. Donc, j'applique ma base. En tapotant, puisque je me suis rendu compte qu'en tapotant ma base, je voyais plus l'effet. Bon, à part à ce niveau-là, mais je voyais plus, si vous voulez, l'effet de flouter mes pores que quand je la passe comme une crème. Quand je la presse comme ça, je vois plus l'effet sur mes pores. Donc c'est pour ça que je la tapote comme ça. En tout cas, au niveau
de ma zone T. Voilà, c'est parti, on y va. Donc je vais en mettre. Oh, c'est très 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 crémeux. Alors je sais pas ce que vous en pensez pour la couleur, on verra. Elle est vraiment très 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 crémeuse, hein. Vraiment très crémeuse. Donc je vais tester avec un pinceau, hein, à l'appliquer au pinceau. Donc c'est le pinceau de chez ULF, le Powder Brush. Voilà celui qui est plat. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça s'applique tout seul, quoi. C'est ultra doux, quoi. Ah ouais, elle est vraiment très très hydratante. C'est ultra doux, ultra doux. Ça s'applique tout seul, oui. Ça s'applique vraiment tout seul, quoi. Alors c'est une couvrance plutôt légère, hein. Voilà, je pense que pour avoir une couvrance plus une plus forte couvrance, il faut peut-être en rappliquer. Moi là voilà, je pense que c'est ça. Vous voyez? Au niveau de la couleur, il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Alors, au niveau de la couvrance, on voit encore mes taches. C'est vraiment une couvrance légère, quoi. Mais je la trouve pas mal. Vraiment, je trouve ce fond de teint vraiment pas mal du tout. Et avec ce pinceau, c'est un plaisir. C'est vraiment tout doux. Ça s'applique vraiment comme une crème. C'est super. Voilà. C'est très léger. Très très léger sur la peau, on la sent, on sent presque pas le fond de teint, quoi. Ouais, je remets un petit peu, juste pour voir si on peut effectivement moduler la couvrance. Oh, c'est super agréable à appliquer. Vraiment, c'est. Moi, une couche me suffira, je pense, mais une application. Mais là, c'est vraiment, je vais voir si en appliquant une deuxième couche, effectivement, il devient plus couvrant ou pas. Oui, il est plus court. Est beaucoup plus couvrant avec une deuxième couche. C'est super agréable à appliquer, quoi. Je pense que vraiment pour les filles qui ont les peaux sèches, anormales, je pense que vous allez beaucoup beaucoup l'apprécier. Il est très 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 hydratant. Voilà. Je vous montre de plus près. Il ne couvre pas les boutons, hein. Voilà. Alors, il Mais a un fini. Et au toucher, il est très très doux, quoi. Il a un fini très très doux. Et par contre. Moi, je sais déjà qu'il faut que je le poudre, hein. C'est pas possible. Hein. Il est très très hydratant, quoi. Je pense qu'en hiver, quand il fera vraiment très très froid et que j'aurai la peau qui est beaucoup plus sèche que je l'ai, par exemple, maintenant, je pense qu'il sera tout juste parfait. J'aime bien la couvrance, en même temps, il est assez léger sur la peau, il n'est pas très très lourd. Donc voilà. Oui, ça fait un peu comme une bébé crème, mais quand même peut-être avec un peu plus de couvrance.
Voilà, donc il n'y a pas d'SPF à l'intérieur, que je ne me trompe pas. Il n'y a pas d'SPF, mais voilà quoi. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc je poudre mon visage, je fais mon teint et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà, là je me suis poudrée, j'ai fait mon teint. Donc j'ai mis l'anti-cerne Fit Me. J'ai mis l'anti-cerne Fit Me de chez Maybelline, qui est génial, vraiment génial. Et donc j'ai poudré mon anti-cerne avec le fond de teint poudre de chez Sephora. Et donc j'ai mis la poudre de chez ELF, la Press Powder. Voilà, celle-ci que j'ai dans la couleur coco. Voilà, et je vous montre de plus près ce que ça donne poudré. Mais oui, il faut vraiment, en tout cas, moi si je veux le porter maintenant, il faut que je le poudre. Ça, c'est sûr et certain. Alors, toute première impression, je le trouve très facile d'application, très doux, très léger. C'est une couvrance légère, il est modulable. En mettant un peu plus, on peut facilement atteindre vraiment une couvrance de moyenne à très couvrante. Je le trouve plutôt pas mal, il est très très hydratant. C'est pas un fond de teint que je conseillerais aux peaux grasses ou aux peaux mixtes. Moi, j'ai voulu l'essayer parce qu'en hiver, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai une peau très bizarre, sèche à mixte, si ça existe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, avec vraiment des zones de sécheresse et avec la peau qui tire. Donc, c'est vraiment un fond de teint que je pourrais mettre en hiver. Mais il est très très agréable, la couleur est tout juste parfaite. Et voilà, donc je vous retrouve en fin de journée pour vous parler de l'évolution du fond de teint. Et voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. En attendant, je vous fais plein de bisous, les filles. Coucou les filles, ben me revoici pour vous parler à nouveau donc du fond de teint en stick de chez ELF, donc le Moisturizing Foundation Stick. Voilà, que j'ai mis vers 11h, vers 11h. Alors je ne sais pas quelle heure je il est. pense qu'il doit être quelque chose comme 19h30, 20h. Donc voilà, à peu près 8h hein, où je le porte. Donc vraiment, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est ultra confortable. Ultra confortable. Son Tu premier peux point repoudrer de fort, la c'est ça. journée exprès pour voir de quelle manière il allait évoluer. Et donc vous pouvez voir, hein, comme vous pouvez le voir, bon je brille à ce niveau-là, hein, je brille au niveau du front, au niveau du nez, un petit peu ici à ce niveau-là. Mais honnêtement, en sachant que je ne me suis pas repoudrée, je suis super surprise parce que même des fois, quand je me repoudre, même une, deux fois dans la journée, je brille quand même comme ça en fin de journée. Et là, en sachant que je ne me suis pas repoudrée, je trouve qu'il n'a pas du tout viré, il est vraiment très très bien. Et que, en sachant que je ne me suis pas repoudrée, je brille comme je brillerais si je m'étais repoudrée avec un autre fond de teint. Donc, je pense que il peut être vraiment. Je pense qu'il doit être génial pour les peaux normales à sèche, sèche anormale. Je pense que vraiment, les filles qui ont la peau normale, sèche anormale vont l'adorer, vraiment l'adorer. Pour les filles qui ont la peau mixte, poudré, il va passer tout seul, quoi. Si on se poudre, et même. Moi, je pense vraiment que, vu l'état de brillance que j'ai là, parce qu'à la caméra, ça, c'est vraiment, j'ai l'impression que je brille énormément, mais je brille pas tant que ça, quoi. Vraiment pas tant que ça. Et je pense que. Je me repoudre une seule fois et dans la journée et il est impeccable jusqu'au soir quoi. Donc moi je suis super surprise, première impression vraiment très 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 bonne de ce produit. Je vais le tester encore et encore pour vraiment me faire une idée. Mais en tout cas ma première impression est vraiment vraiment très bien. La couvrance est Donc très très moi je me bonne. suis poudrée hein, comme je vous ai dit donc avec tout simplement la poudre de chez ELF dans la gamme Studio
la preset powder, vraiment, j'ai pas mis une poudre, si on peut dire, parce qu'elle est très très bien cette poudre, hein, mais j'ai pas mis ma poudre MAC ou je n'ai pas mis une poudre de qualité qui peut être supérieure. J'ai mis une poudre vraiment justement, j'ai vraiment voulu essayer les deux ensemble pour voir si les deux produits élèves fonctionnaient bien. Et je suis ultra satisfaite, quoi. Vraiment ultra satisfaite. Je pense que si on veut encore plus de couvrance, on peut appliquer ce fond de teint et mettre un fond de teint poudre. Un fond de teint poudre par-dessus, si on ne veut pas en appliquer beaucoup, si on veut mettre qu'une seule couche, avec un fond de teint poudre, je pense que vraiment la couvrance sera tout juste très très bonne. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer de plus près comment il est. Vraiment, vous voyez les filles, oui, effectivement, c'est vrai, je brille. Mais je peux vous assurer qu'il y a d'autres fonds de teint qui me font briller. Comme ça, voire même plus, et alors que je me suis repoudrée. Et là, en sachant que je ne me suis pas repoudrée, je suis vraiment super contente de ce fond de teint. Il est ultra confortable. Je sens ma peau, mais vraiment hydratée, mais comme si j'avais mis de la crème hydratante, quoi. Il n'assèche pas du tout la peau. Il n'y a aucune zone de sécheresse sur ma peau. Je le Je trouve le trouve, les filles, génial. vraiment génial. Je vous conseille de l'essayer. Il coûte 6,80 €. Il y a vraiment 14 grammes, hein, mais il y en a, mais pour une éternité, quoi. Hein. Je l'adore. Première impression, je l'adore. J'espère que ma première impression restera la même. Je vais encore l'essayer, mais vraiment, il s'applique. Je dirais plutôt qu'il Très est infini, un facilement peu satiné, vous voyez, semi-mat, voilà, semi-mat, pas mat complètement, mais il est très 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 joli. Vraiment, je l'aime beaucoup, les filles, je vous conseille de l'essayer, et de toute façon, je pense que je vous en reparlerai, parce que ce petit produit, vraiment impeccable, quoi. Et même vraiment, les filles qui ont la peau comme moi, mixte à grasse, alors pour les peaux grasses, je ne pense pas qu'il conviendra, mais pour les filles qui ont la peau mixte à grasse, il peut effectivement convenir. Si poudré, en tout cas, il n'a aucun problème, il ne bougera pas, il n'a pas bougé, quoi. Il n'a pas bougé, vraiment pas bougé du tout. Donc moi, je suis Vraiment, je l'aime super beaucoup. satisfaite. Et en tout cas, les filles, moi, je vous le conseille. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.